héritage de Mandéren. Nous avons tellement de problèmes. Le problème de santé d'abord. Oui. Les problèmes de vivre d'abord. Et encore, ils ont tué beaucoup de gens, qui, des cadavres qui restent partout dans les quartiers. Il est tombé entre les bandits de combattants. Oui. On l'a égorgé. Ils ont, vous avez vu le coup, égorgé avec le couteau. Oui. Et puis ils ont tout, ils ont coupé la main, ils ont coupé la sexe. Tout, il est décapité morceau par morceau, vous avez vu. Il vit ici depuis longtemps, plus de 20 ans, 30 ans. Oui.
Salut madame. Bonjour. Alors là, présentement, tout le monde a peur du plus petit au plus grand. On a peur, on attend encore jusqu'à ce qu'il y ait rétablissement en tant que tel éthique à ce que nous prenons retour à la maison. Là, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Et vous voyez comment il y a les enfants à côté, il y a les grandes dames, il y a des vieux, il y a des handicapés, il y a des malades, il y a même des femmes qui viennent, il y a une même femme qui vient de faire un bébé là tout de suite là. Ce qui se passe ici est terrible parce qu'il y a de très graves violations des droits humains dans ce pays. Depuis la semaine passée, le 4 ou le 5 décembre, lorsqu'il y a eu une attaque sur Bangui, il y a eu une attaque sur Bangui et des exactions graves, y compris des tueries, des tortures, des massacres carrément, où il y a plus ou moins 1000 personnes qui sont mortes jusqu'à présent, donc c'est une situation grave. Oui, cette semaine, ce qui est le plus choquant, c'est les tueries à la machette, les gens qui sont tués comme des saucissonnés carrément à la machette par des voisins, donc des voisins qui s'entretuent. Et ça, c'est vraiment choquant parce que c'est des gens qui se connaissaient avant, qui vivaient en symbiose avant, mais à cause de la crise qui a dégénéré dans les quartiers, c'est les voisins qui sont en train de s'entretuer. Et là, c'est une très grande préoccupation. Nous sommes aussi très préoccupés par les enfants que j'ai vus personnellement à l'hôpital des enfants où les enfants de 3 ans sont blessés à la tête, à la machette. Donc on voit qu'il y avait une intention de tuer les enfants, une dizaine d'enfants dont les parents ont été tués. Et ça aussi c'est une grande préoccupation. Si dans une communauté les gens peuvent arriver à s'en prendre aux enfants, à s'en prendre aux voisins, et donc c'est une culture d'impunité qui s'installe, et donc c'est un problème entre communautés qui s'installe. Et ça c'est très important que les autorités nationales, que la communauté internationale, non seulement les forces françaises, les forces africaines, mais aussi et surtout les Nations Unies, doivent tout faire pour mettre en œuvre une force robuste, sérieuse, pour assurer une protection effective des populations centrafricaines, et pas seulement à Bangui, mais dans toute l'étendue du territoire national. Another, I think, symptom of the insecurity in Bangui is the massive number of displaced people. There are an estimated approximately 117,000 displaced people. That's a very fluid number. It changes from day to night. In fact, at night there are many more displaced people. But essentially there are whole neighborhoods of the city where almost all of the homes are empty, where people have fled, because they still fear attacks by Seleka, which are the Muslim militia, the de facto government militia, and by anti-Balaka, the Christian militia. So people are fleeing to areas that they feel are safe. No. Et quand on passait, c'est maintenant les tirs de ces gens utilisés.